Warning, the following sound may damage your speakers. Alors j'ai commencé par une école à Florence, une école de BD justement. Et tout de suite après j'ai commencé à travailler dans un atelier avec d'autres dessinateurs où on faisait de l'illustration surtout historique. On a travaillé pour des musées, on a travaillé pour la pub aussi, voilà des choses différentes. Ça a duré 6 ou 7 ans. Et pendant ces années, je suis allé à Angoulême une fois, donc j'ai découvert un peu les marchés français, disons, de la BD, et ça m'a donné envie de reprendre mon vieux rêve de faire de la BD. Donc j'ai commencé à montrer des dessins à droite et à gauche, et finalement ça m'a amené à une proposition pour La Rose et la Croix. J'ai lu beaucoup de choses différentes dans ma vie. J'ai appris à lire en fait avec les BD Disney qui étaient très populaires en Italie. Après j'ai lu des choses différentes au moment ce qui était la production italienne à l'époque. Des dessinateurs sud-américains, pas mal, ils m'ont pas mal donné envie de dessiner. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'en Italie, je ne voyais pas beaucoup de possibilités parce que voilà, dans la BD, c'est soit Bonelli, soit Disney. Et moi, j'avais plutôt envie de faire quelque chose de plus. Original, si tu veux, pas forcément travailler sur des personnages déjà existants. Et c'est ça qui m'a marqué quand je suis allé à Angoulême. J'ai vu déjà la production énorme des BD franco-belges et aussi les respects qu'il y a pour les auteurs ici. C'est ça qui m'a vraiment donné envie de réessayer. Voilà, d'essayer vraiment. J'ai vu la possibilité d'en faire un vrai métier. Et depuis, j'ai découvert, je suis toujours en train de découvrir beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de choses que j'aime, même différentes de mon style. J'aime beaucoup la BD aussi plus autobiographique, plus intimiste, si tu veux. Même dernièrement, j'ai lu, Les Derniers de l'Arsenal, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Hergé, Dragon et Peters. J'ai beaucoup aimé Trois Ombres de Pedrosa. Voilà, donc des choses très différentes. Et tout ça m'inspire, même si c'est très différent de ce que je fais. Dans un dessin plus réaliste, j'aime beaucoup un dessin plus classique, si tu veux. J'aime beaucoup Loisel. Loisel et Trip aussi, dans un magasin général. J'aime beaucoup les grands classiques, Moebius, bien sûr. C'est toujours une référence, mais aussi. Il y en a beaucoup. Non, c'est David Chauvet qui m'a contacté. Il était en train de faire un casting pour la collection 7.
Donc il avait l'histoire de la langue, qui cherchait un dessinateur, il m'a proposé ça, il m'a donné les 10 premières pages des storyboards qui avait fait Alain. Moi je connaissais, j'avoue que je connaissais pas les travaux d'Alain Hérol, donc j'ai décidé sur la base de ces storyboards. J'ai lu les 10 premières pages, j'ai adoré, j'ai rigolé beaucoup, donc je me suis dit, si un storyboard comme ça peut être aussi efficace, je crois que voilà, dessiner ça, ça va donner quelque chose de bien. Donc après, j'ai rencontré Alain, ça s'est très bien passé avec lui d'ailleurs. On s'est vu souvent, il habite Paris, donc on a travaillé vraiment coude à coude, on dit. Et voilà, je suis très, très content d'avoir travaillé avec lui, ça a été vraiment une expérience enrichissante pour moi. J'ai pu le voir travailler, et c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui a les idées très claires. Après, on a discuté aussi beaucoup sur certaines choses, mais voilà, il est très exigeant, mais toujours dans le but de faire un bon bouquin. C'est ça qui m'a. C'est pas une question d'ego, c'est pas une question d'a priori. Mais c'est toujours dans l'esprit de faire quelque chose de bien, et donc ça m'a poussé beaucoup aussi, c'est dans mon dessin il m'a demandé beaucoup, ça m'a fait du bien, je crois, c'est très, ça a été une belle leçon à tout niveau en fait, c'est